Allez, on y va. C'est bon, vous êtes prêts? J'ai le trac un peu. Qui est Jean-Noël Moulin? Une sorte d'ermite, d'homme qui vit, homme qui vit dans la nature, qui marche, qui s'arrête, qui a certaines visions, qui est un peu habité, on va dire. Il est double, triple, voire. Il a plein de personnages à l'intérieur de lui-même. Ah, le programme du président Moulin, mais j'ai envie de dire qu'il faut venir voir le spectacle pour découvrir le programme du président Moulin. Effectivement, il prend la place du président. Il y a un événement, une catastrophe, ça arrive, malheureusement, qui fait que le président et tout le gouvernement disparaissent. Et lui retrouve les habits du président et prend les habits du président, et pas que les habits, il prend la fonction du président. Il donne un programme un peu particulier, on va dire de... Je ne sais pas si c'est un réveil, en tout cas, on va dire que le président Moulin, c'est une voix muette, des voix qu'on n'entend pas. Voilà. Et pour la première fois, peut-être qu'on va entendre des voix qui on ne donne pas spécialement la parole. C'est un monde au bord du chaos. La catastrophe planétaire, la planète est un peu en feu et on sent que il y a un événement qui va se passer et de cet événement va peut-être surgir un nouveau monde. Alors l'atmosphère, elle est dans ce vide là, avec une tension permanente. On explore, j'ai envie de dire ça, on explore, essayer de pas, je dirais, de ne pas vouloir fournir à tout prix, d'être là en contact avec une matière que sont les mots, et j'aime ça. C'est très dense, alors c'est vertigineux, mais j'ai le luxe d'être sur ce plateau là-haut à la salle Bourgois que j'aime beaucoup. Dans le vide total, avec juste les mots, et c'est bien ça.